Alors bonjour, je vais vous expliquer donc comment se créer un compte Google qui permettra donc ensuite d'accéder à la suite bureautique de Google Drive ainsi qu'à Google Agenda ou Gmail. Donc tout d'abord, vous vous connectez sur Google. Google.fr, comme ceci. Ensuite, ici, vous avez une série de boutons. Vous cliquez sur connexion. Donc si vous n'avez pas de compte, on va vous demander soit d'entrer votre adresse mail que vous n'avez pas, soit de créer un compte. Donc là, vous faites créer un compte et vous allez entrer donc sur une page qui va vous permettre de vous identifier et de créer votre compte. Donc votre prénom, votre nom, une adresse Gmail valide de type, voilà, là par exemple ici c'est tablette, hein, qui fonctionnerait, mais tablette, alors, tablette 1 ou tablette 2, voilà. Ou alors vous pouvez utiliser votre propre adresse. Vous entrez un mot de passe, vous confirmez votre mot de passe, votre date de naissance, si vous êtes un homme ou une femme, numéro de téléphone. Alors le numéro de téléphone, c'est assez important parce que ça va vous permettre en fait de sécuriser votre compte. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui se connecte ailleurs, qui essaye de se connecter sur votre compte, on va tout de suite vous demander, voilà, il y a un souci. Veuillez entrer un code. Voilà. Alors donc ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai un compte Gmail et j'ai jamais été embêté par Google. Hein. Ou alors vraiment quand il y a un souci sur mon compte. Ici, vous entrez ces différents numéros qui vous permettront de prouver en fait que vous n'êtes pas une machine, mais bien un homme, le pays, et ensuite vous cliquez donc sur étape suivante et normalement votre adresse Gmail sera créée. Voilà.